Bon, mais bonjour à tout le monde. J'étais à la pêche là ce matin. Voilà. Et maintenant je commence à replier. C'est presque fini. Ma foi, bonne petite matinée. Rencontre du monde, on discute. Et quand même, j'ai réussi pour une fois. J'ai fait une tanche. Vous verrez, je l'ai mis en photo, je la mettrai. Parce que quand on est seul, ça gigote une tâche. Oh, elle devait bien faire 1,5 kg, 2. Quand j'ai vu la touche, elle partait comme ça, quand j'ai vu oula, j'ai là, c'est plus du poisson le chat. Voilà. Puis après le reste, ben, comme toujours, hein, poisson chat, poisson chat, poisson chat. Alors on règle la mi-hauteur, on met 2 mètres de fil, ben, c'est poisson chat, poisson chat. On réduit à 1,80 m, poisson chat, poisson chat. On descend à 1,60 m, poisson chat, poisson chat. Il faut descendre presque à 1,40 m. Ouais, 1,40 m. Après, alors il n'y a plus de touche, il n'y a plus rien. Voilà, et pourtant je jette loin, je jette presque au milieu de l'étang. C'est les canaux express, on a beau dire, mais elles sont flexibles. Et avec 2 grammes de plomb, j'ai au milieu de l'étang. Puis je peux vous dire que c'est costaud, hein, parce que ce matin elle était cabrée et ça ne broche pas. Vous pouvez y aller. Bon, je dis pas qu'on peut faire du sciure, des machines comme ça. Non. Mais de la tanche, de la brème, jusqu'à 3, 4 kg, 5 kg, vous risquez rien. Voilà. Il commence à faire chaud, c'est pour ça que je m'en vais. Là, vous voyez, je suis encore à l'ombre. Là. Il y a une porte là. Voilà. Alors, je me mets un petit peu contre. Par contre, j'ai mal à l'oreille. Je vais rentrer, me faire manger. Et puis cet après-midi, je me reposerai. J'attends un coup de téléphone d'un collègue là, sur internet qui va m'appeler. Un pêcheur aussi. Voilà. Mais bonne fin de matinée, bon appétit.